Nous sommes en octobre, c'est Octobre rose, un mois de sensibilisation contre le cancer le plus fréquent chez la femme, le cancer du sein. Une femme sur 12, d'après les statistiques de l'OMS, aura le cancer du sein. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup au cours de sa vie, d'accord? Et je pense c'est bien d'y qu'on ait un mois comme ça pour en parler de façon intensive, mais je pense que ça doit être le quotidien. Et aujourd'hui, 2 jours avant la fin du mois d'octobre, c'est comme si les patientes, c'est juste problème de ça en fait. Ou alors, c'est que la tension y est un peu plus. Bon, la première patiente que j'ai vue, par exemple, bon, je la connais depuis l'année dernière, 33 ans, très très jeune. Elle vient en consultation, pensait qu'elle avait un abcès au sein. Elle est venue consulter, très atypique. On prendra un échantillon et tout. D'abord, ça me passait par un abcès sang, fièvre, les paramètres d'infection n'étaient pas élevés. Ça faisait l'air bizarre. Mais on pose ce diagnostic, on prend un échantillon, on fait un prélèvement, on envoie en anatomopathologie. Qu'est-ce qui revient? Cancer du sein. 33 ans. Agressif. Mais alors, agressif. Plus on est jeune, plus le cancer est agressif. Triple négatif, d'accord. Comme je dis, il y a cancer, dépendamment de la biologie. On a les hormonaux dépendants, les triple négatifs, les HER2 positifs. Donc, le traitement est adapté par rapport au type de cancer qu'on a. Vraiment, le traitement du cancer du sein a beaucoup évolué, beaucoup. Ce qui a diminué la mortalité de 40%. Et ceci aussi, c'est grâce à la recherche qui est faite derrière et c'est aussi grâce au dépistage. Le dépistage, c'est de faire un diagnostic avant que la maladie n'ait évolué. Alors, chez la dame, à l'époque, on se rend compte qu'il s'agit de ce genre de cancer-là. Et alors, Laetitia, alors, comme je dis, on a évolué grâce au dépistage précoce. Donc, chez la dame, alors, à l'époque, quand on a eu tous les examens dont on avait besoin pour commencer le traitement, chez elle, on a commencé par la chimio. Parce que c'est vrai, le traitement du cancer a différents points. Il y a la chirurgie, les médicaments, la radiothérapie. Mais dépendamment de ce dont on fait face, on va donc adapter et choisir le traitement qui passe le mieux pour le patient. Le traitement du cancer aujourd'hui, c'est personnalisé. Ce n'est pas une personne qui décide, c'est en conférence. C'est interdisciplinaire avec différentes spécialités, gynéco-oncologie, l'oncolo, la radiothérapie, le patholo, tout le monde y est. Désigner le meilleur traitement pour la patiente en se basant bien sûr sur les recommandations des publications et tout ce qu'on utilise pour travailler parce que ça change tellement. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de différents médicaments qui arrivent sur le marché. Alors, à l'époque, on commence par une chimio qu'elle a très bien supportée. Et pendant la chimio, je me rappelle très bien ce jour parce que c'est moi qui lui donne qui devait lui donner sa chimio. Elle me dit qu'elle a un bouton à la peau là où il y a sur le sein. Le sein gauche où il y a le cancer et elle a un bouton. Je regarde, parce que chez une patiente avec une histoire comme ça, chaque truc qu'elle a doit être analysé différemment parce que ce sont des patients à risque. Je ne peux pas seulement dire, ok, le bouton, ça va partir. Non. Je regarde, ça n'a pas l'air d'être un bouton simple. Alors, directement, on organise une biopsie punch. On coupe un peu du bouton là. On envoie pour regarder les cellules, c'est le cancer. Le cancer du sein, cela on appelle les métastases, il s'est retrouvé dans la peau. D'accord? On n'était plus dans une situation locale. C'est-à-dire le cancer a quitté l'organe primaire où il s'est développé, le sein dans ce cas, pour aller ailleurs. Il peut aller dans la peau, il peut aller dans le cerveau, il peut aller dans les os, il peut aller dans les poumons, il peut aller dans le foie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut rediscuter son traitement. Si le cancer évolue pour aller ailleurs, ça veut dire que le traitement n'a pas fonctionné ou alors ne fonctionne plus, ou alors le cancer est tellement agressif que le traitement ne l'arrête pas. On a arrêté avec ça, on a fait l'opération, parce qu'après la chimio, c'est l'opération. On a fait l'opération et il y a un traitement qui vient après l'opération. Pourquoi on ne fait pas l'opération directement? Certaines personnes disent, mais voici le cancer ici, pourquoi vous ne coupez pas? Le cancer, c'est une maladie systémique. Ça veut dire qu'il est là, oui. Mais c'est possible qu'il soit aussi déjà passé par la lymphe et se retrouve ailleurs. L'organe humain ne peut voir, ne peut diagnostiquer que ce qui est visible à l'œil nu. Mais s'il fait encore des proportions tellement microscopiques que l'œil humain ne peut pas encore voir, alors on traite d'abord comme ça de façon systémique avec une chimio qui va partout parce qu'on sait
qu'un cancer aussi agressif, il y a des paramètres pour ça. Alors c'est possible qu'il s'est agrandi ailleurs déjà, même si on ne le voit pas encore. Après, donc, chez elle encore, après la chirurgie, elle a eu d'autres examens, la génétique, est-ce que c'est dans les gènes, est-ce que parce qu'elle est très jeune, ce sont des questions qui peuvent se poser. On l'inclut dans les études pour qu'elle profite des nouveaux traitements et tout. Et voilà, elle a continué avec le traitement comme ça. Et chaque fois, il faut faire des contrôles, ce qu'on appelle des restaging et tout, pour se rassurer est-ce que le cancer est maintenu ou bien il évolue. C'est grâce à ça qu'on sait, ok, on va changer de traitement. Si tout est bon, on continue avec ce traitement. Parfois, on peut même faire une pause quand le traitement est terminé. Aujourd'hui, on a changé de traitement 2 fois. Aujourd'hui, elle vient parce qu'elle a palpé une masse dans l'autre sang. On a déjà enlevé le sein gauche. Maintenant, elle a palpé une grosse masse dans le sein droit. Elle est venue en soirée, c'était déjà 18h. Quand j'ai d'abord touché ça, c'est. J'ai fait l'écho. Je ne l'ai pas encore dit parce que j'ai pas la confirmation finale qui est la biopsie, mais je lui ai déjà dit que c'est pas, ça parlait bon. Ça parlait bon. On doit faire un diagnostic poussé, mammographie, biopsie, parce que j'ai fait l'écho. Et on doit en parler encore. Donc, voilà donc la situation dans laquelle elle se retrouve. Apparemment, le cancer a pris. On a un deuxième sein. Ça peut être un nouveau cancer qui aura une biologie très différente ou comme ça peut être d'autres cancers qui en récidivent. Ça dépend. Et donc, on s'est donné rendez-vous pour les examens plus approfondis. Ça, c'était cette patiente. Ensuite, j'ai une autre encore jeune, une infirmière. Elle a vu que j'étais de garde et puis elle m'a demandé si je pouvais faire une écho. Parce qu'elle a palpé, depuis 2 mois, elle a palpé quelque chose. La gynéco lui a déjà dit que ce sont juste des cystes qu'elle a dans le sein, rien de grave. Mais elle a tellement peur, a raison, parce que sa maman, je sais pas, elle a dit quoi, sa grand-mère, quelqu'un dans la famille à 50 ans a fait un cancer du sein, est décédé, il y a une autre personne qui a un cancer du col. Donc, quand on est dans la famille, qu'on a déjà les risques comme ça, on doit bien sûr être en alerte pour chaque petit truc. Pour la rassurer, j'ai fait un écho et tout. Et comme vous voyez, ça c'est donc l'écho. L'échographie, comme ça, c'est plusieurs sondes. Ça, c'est ce qu'on utilise pour l'échographie vaginale. C'est avec ça qu'on va bien voir l'utérus, les ovaires, apprécier les trompes, grossesse extra-utérine, l'embryon, tout ça, c'est ce genre, c'est cette sonde-ci. Il y a des différences physiques au niveau de la sonde. Dépendamment avec quelle intensité ça va. Bon, là, il faut demander au physicien. Bon, moi, je sais comment je dois utiliser. Ça, c'est abdominal, ça veut dire enlever les reins, le foie et tout ce qui est dans l'abdomen. Et quand il s'agit de ce qui est un peu plus en superficie, comme le sang, les ganglions, nous, en gynéco, voilà ce qu'on utilise. Donc, c'est cette sonde-ci. Et voilà donc son échographie comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais avec tous ces petits points noirs dans son sein, j'ai eu 4, mais il faisait moins d'1 cm. Dans le sein 3, elle avait 4 petits kystes comme ça. Et dans le sein gauche, elle a eu un beaucoup plus gros. Donc tout ce qui est noir là, c'est ça, il fait environ 2 fois 2 cm. Je lui ai expliqué que voilà, c'est vraiment complètement bénin. C'est un kyste, ça fait mal. Ça va même dépendre de la période du cycle, la période dans laquelle je te retrouve dans le cycle, les douleurs. Mais c'est en contrôle. Donc, dans 3 mois, elle avait même déjà rendez-vous chez sa gynéco pour les contrôles. Et si ça fait très mal, si ça grandit, on peut bien sûr opérer. Mais c'est quelque chose qui reste d'abord dans le domaine de l'attente et du contrôle. Donc, voilà comme ça, mesdames, pour partager avec vous ces 2 cas-là, pour dire cancer du sein, dépistage, être alerté. Le dépistage, voilà, comment on le fait? En fait, dépendamment, moi je dis toujours, les études, ce qu'on a, c'est beaucoup plus la population européenne. Malheureusement, voilà, la femme africaine. C'est nous, bien sûr, qui devons faire nos études et savoir ce qui est mieux pour nos populations.
Ici, leurs études ont montré que voilà, entre 50 et 70 ans, une mammographie chaque année, chaque 2 ans, c'est significatif pour dépister cette maladie à temps et pour donner de bonnes chances de guérison à la patiente. C'est là qu'on a la maladie le plus fréquemment. Il y a bien sûr des exceptions, comme la dame de 33 ans, bien sûr qu'il y en a. Donc, dans des cas pareils, on va donc faire un dépistage intensif adapté au risque. Ça veut dire, si on sait que dans la famille, il y a quelqu'un qui avait déjà eu un cancer très tôt, alors, un dépistage adapté, ça veut dire on va pas attendre 50 ans pour les mammographies, on va commencer à 40 ans. Et on va faire les échographies déjà à 25 ans, 2 fois l'an. Et à 40 ans, on commence à faire les mammographies, soit une fois l'année, soit 2 fois l'an. Et c'est comme ça donc qu'on va pouvoir dépister à temps le cancer et pouvoir donner, ainsi que avoir, pour que permettre à la patiente d'avoir un bon pronostic. Donc, ça s'adapte. Cela maintenant pour nous, voilà, c'est difficile, c'est difficile, mais ça, ce sont comme ça les recommandations générales. Ce que je vais vous dire, c'est à 30 ans déjà, commencer avec la palpation. On ne peut pas dire que ça ne sert à rien parce que vous avez vu la jeune infirmière apprentie, c'est grâce à la palpation qu'elle a su qu'elle a une kyste. Et ainsi, elle s'est donc présentée pour qu'on puisse faire une échographie et tout le reste. Hi. 30 ans, la palpation, et quand quelque chose est là qui n'est pas connu, qui n'était pas là avant, allez donc consulter pour qu'on clarifie. Mais sinon, dépistage, dépistage, dépistage. Si on a un cancer du col, on a des moyens de dépistage. Utilisez-les, les dames. Ce n'est qu'en diagnostiquant tôt qu'on a de bonnes chances de guérison. C'était le docteur Betty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.